Far Cry 3 Let's Play, présenté par Galaxy. Nous sommes à l'aube, le jour se lève. Salut tout le monde, c'est Galaxy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 12 du Let's Play sur Far Cry 3. Et je suis heureux de vous retrouver comme d'habitude. Et on va directement commencer la mission, on ne va pas traîner. J'ai beaucoup de nouvelles, je pensais que vous alliez quitter l'île. Non, je reste là. Sans moi, cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141, on décolle ce soir. C'était bien de bosser avec vous. Merci. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Difficile. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent, il est encore en vie. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller ? Je survole l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer. Je vous envoie les coordonnées. Parfait, j'y serai. L'avion décolle dans quelques minutes. Avec ou sans vous ? Ah ! Enfin, normalement, on devrait déverrouiller la deuxième partie de l'île que j'attends depuis longtemps. Cap au sud, aller à la piste d'atterrissage. J'arrive, monsieur. On va couper, j'ai pas pris le quad pour rien. Allez, let's go. Et enfin, on va débloquer... La deuxième partie de la carte, pardon. Par contre, on a un temps imparti, ça j'avais pas vu. On va essayer de pas se planter avec le quad parce que sinon c'est mortibus. Allez, on va prendre la route de préférence. Voilà, comme ça il y a moins de risque de se casser la gueule. Enfin, il y a moins de risque. J'ai pas dit il y a pas de risque, j'ai dit il y a moins de risque. Allez, let's go, petit dérapage magnifique. Enfin, il fait jour. Oui, parce que tout à l'heure je me demandais si j'allais vous faire la vidéo de nuit ou pas. Et puis je me suis dit non, je vais quand même attendre que ça fasse un petit peu jour. Sinon c'est pas très intéressant et c'est pas très joli également. Allez, let's go. Alors, où est-ce? Attendez, où est-ce exactement? Que je ne me trompe pas de chemin. Oh là, faut traverser l'île. Comment puis-je faire? Y aurait-il pas un bateau? Bah écoutez, on va passer. J'ai pas l'impression qu'on est trop pressé par le temps. Donc ce qu'on va faire, on va passer par là. On va aller prendre, vous voyez, le petit pont ici. Donc je suis venu ici pour rien du tout. Donc on va aller chercher le pont qui est juste là-bas. Allez, on va le chercher. Ça devrait pas être trop long, il me reste quand même 4 minutes. Ça devrait le faire, logiquement. C'est pas comme si on mettait une heure pour... Attendez, c'était pas là, attendez, je sais même plus où je vais, moi. Non, c'est pas là. On suit la route principale, s'il vous plaît. Toujours tout droit. Allez. Je fais la voie du GPS. Toujours tout droit. Et là, on a le pont. Voilà. Et on a l'indicateur jaune, donc surtout, suivre l'indicateur. Et on va enfin pouvoir passer normalement, je dis bien, de l'autre côté de l'île. Alors, c'est où le mieux où il faut passer? Bah écoutez, on va passer, je pense, tout droit, tout droit, tout droit, et on va prendre la dernière route. On va prendre la dernière route. De toute façon, on a plusieurs moyens de passage. Donc au pire qu'on sorte à la première sortie, à la deuxième ou à la troisième, c'est pareil tant qu'on arrive à la destination. Il n'y a pas de souci. Hop. On va prendre par là. On n'est pas pressé, encore 3 minutes. Ouais, ça va. On n'est pas trop pressé. On va prendre celle-ci. Hop. Sortie à gauche. Prenez la première sortie. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a pas le temps d'aller jusqu'à l'objectif, franchement, je tire mon chapeau parce que on a quand même largement le temps. Hein. Ah, d'accord. C'est à l'amo. Bon, d'accord, je me disais aussi, j'étais bien un petit peu machine. Ok. Voilà. Voilà. Tout va très bien avec la déchiqueteuse. L'avion. Ils ont pas cassé l'avion? Eh si. Bon. Ah, d'accord, donc normalement, logiquement, il y a des pirates qui devraient arriver. Attendez, il y a une mitrailleuse. Ouais. Vas-y. Je retiens tout le monde. Qui c'est qui arrive? Venez tout de suite, je vous attends. Let's go. La voiture. Ouais, bim, direct. C'est bon, ça. Ensuite, suivant. Je te couvre, t'inquiète. Ah là-haut.
un peu chaud de voir où ils sont. Ah oui, là. Voilà. Impeccable. Heureusement que j'ai eu l'idée de prendre la mitrailleuse. Hein. En même temps, elle était là exprès. Ensuite, les petits cocos. Les petits pirates de vase. Enfin, de l'ancien vase, puisqu'il est mort. Je ne sais pas trop si c'est Vase qui est mort, si c'est une personne, ou si c'est une imagination. Je ne sais pas. Oh là. Ah, elle peut pas mieux tourner, d'accord. Au pire que je prenne la déchiqueteuse ou celle-là, c'est pareil, vu que la déchiqueteuse est super puissante déjà à la base. Attention, on se protège. J'ai plus de munitions, par contre, à chaque fois, ça c'est le bordel. Oh putain! C'est un balèze! C'est 4, les amis! Boum! Voilà. T'as fait que la moitié? Tu te fous de ma gueule! Allez, on reprend la mitrailleuse en espérant qu'ils arriveraient plutôt par là, parce que sinon, c'est le bordel, quoi. Allez, sérieusement, dépêche-toi de réparer ce bordel d'avion, là! Qu'on puisse enfin aller de l'autre côté de l'île, ce serait pas mal. Où y arrivez-vous? Y'a plus personne? Bah écoutez, tant mieux, s'il y a plus personne, moi je vote oui. Je trouve qu'il est long hein, pour réparer l'avion. Hein. Allez, ils sont où les... Je ne vois personne. Derrière, bordel! Ah! Et d'un... Oh là, il y en a un là-bas. Il y en a deux là-bas même. Il y en a de partout là. Là par contre il y en a de partout. La F1 elle va vraiment super bien. Je parle pas trop parce que j'essaie de pas trop perdre de vie non plus hein. Normalement, là, les réparations, elles devraient être finies. Bon, je vais me méfier parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent plus par là, ils arrivent plutôt par ici. Normalement, ça devrait être bon, là, les réparations. Je pense. Et moi, je peux pas aider un petit peu au nettoyage? Oh, mitrailleuse! Oh, mitrailleuse, vous! Ah, je croyais que c'était un tonneau. Derrière, attention! C'est un blindé, d'accord. Au feu! Aïe, aïe, c'était dans tous les coins de rue. Ah d'accord, c'est que des blindés. Ok. Voilà, vite, 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 vite. Allez, encore, encore. Cocktail. Loupé. D'accord. Normalement, il y est bientôt, hein. Voilà, c'est bon. Ouh, ils sont chauds patates, hein, les gars. Allez, on va fouiller le corps du monsieur blindé. Sachet de cocaïne. Ah non, moi j'aime pas ça. Ouh, c'est encore une fois très chaud patate, hein. Chaîne en or, ok. Allez, on continue, les amis. On va essayer de prendre cet avion. J'espère qu'il est réparé. Jason, montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Vous voulez rire, change d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci. Montez. Montez, je vous dis. Oh! Oui, avant que j'oublie, mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie.
J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh ouais! Je vais bientôt sortir de ce trou! I believe I can fly! Non, je déconne. Ah, enfin, on va débloquer la seconde partie de l'île. Parce qu'on était vraiment très restreint, il n'y avait plus d'avant-poste à capturer, plus rien du tout, plus de nouvelles armes. On était un petit peu délaissés. J'espère vraiment que ça va être tout débloqué maintenant. Intéressant. C'est là que je vous drop. Il vous reste qu'à vous envoler. Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit. Bras et jambes tendus, et ça ira tout seul. Bonne chance pour la Russie. Un patriote reste un patriote. Let's go! Oh putain, le wingsuit! Mamma mia! Déployé! Oui, wingsuit! Contrôle de la wingsuit, nouveau didacticiel! Je veux bien. LS et LS pour gérer l'inclinaison, pour diriger. Ah bon? Bah oui, très classique quoi. Et ouvrir le parachute. Je pense que ce sera mieux pour après. Allez, on va atterrir sur l'île là-bas. C'est énorme le wingsuit, regardez! Incroyable! Je vole! C'est magnifique. Sérieusement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Allez, on déploie le parachute. C'est superbe. Enfin, on a le wingsuit. Comme ça fait plaisir. Contrôle du parachute. Didacticiel. Bah, il n'y a pas grand-chose à savoir, je pense. Contrôle du parachute. Accélérer, ralentir, diriger. D'accord. Ah. Ah, d'accord. C'était énorme, oui. C'était même super génial, top. Alors, mine de rien, voilà, nous sommes sur la deuxième partie, comme ça fait plaise. Ah, je suis super content. Par contre, normalement, du coup qu'on est sur une partie de l'île que l'on n'a pas débloquée, il devrait y avoir des petits pirates. C'est ce qui me semblait, j'en étais sûr. Et en plus, il n'y en a pas qu'un. Hein, regardez-moi ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, et il y a un animal. Ah bah là, je lâche l'animal et ils sont tous morts. Hein. Eh bah, on y va. On n'a pas peur, on est un fou. Allez, le tigre. Oh, il va tous les bouffer. Sérieusement, à mon avis, il devrait tous les bouffer, je pense. Et on va enfin pouvoir débloquer des avant-postes et... Oh là, mais il me voit de loin. C'est fou. Regardez-le lui. Ils ont l'air d'être plus vigilants aussi. Ils nous voient mieux. Hein. Je pense que la difficulté du jeu a vachement augmenté ici. Va falloir faire vachement attention d'où on se cache. Toi, le sniper là-bas. Ah. Zut, ils m'ont vu. D'où ils m'ont vu, franchement. Ah, regarde-lui. Lui, il est intelligent, là, parce qu'il sait où je vais aller. Ah, il peut pas les avoir. Oh, oui. Je pensais pas l'avoir, mais... J'étais concentré dans mon truc, là. Moi, je pense pas que je peux l'avoir à travers le caillou. Bon, lui, là-haut, là... Il m'énerve un petit peu. Vas-y, viens là. Non. Vas-y, approche. Mais, pars pas. Ok. Bon, on va se le faire. D'accord. Bon, pas grave.
Let's go. Voilà, avec la déchiqueteuse, tout va bien. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions. Ça, c'est moins cool. Oh putain, il me visait avec son sniper. Attention. Oh là là, mais carrément. Ok, bon, bah, on va rester où j'étais avant. J'étais très bien derrière mes rochers, personnellement. On va rester là. Ah, maintenant qu'il m'a vu. Ah, le méchant. Voilà. Je suis toujours avec mon M700 parce que l'autre sniper que j'avais eu par terre sur un corps, je l'avais pas super bien aimé. Je trouvais que j'avais du mal à viser avec. Donc celui-là est pas mal du tout. Hein. Le M700, il va très très bien. Il n'y a pas de souci. Allez, donc c'est bon. Maintenant, on va pouvoir prendre leur camion. Pas de problème. Hop. Allez, enfin, je retrouve la place qui m'est due. La place de routier. Allez, let's go. Regardez, oh là là, le volant qui se tourne super vite. Par contre, c'est pas la même direction qu'en vrai. Hein. Moi, je peux vous le dire, je parle en connaissance de cause vu que c'est mes études, hein, donc les camions. Donc du coup, je connais. Allez, let's go. D'ailleurs, quand j'aurai un nouveau PC, je vous ferai sûrement des vidéos sympathiques sur Euro Truck Simulator 2. Voilà, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je ne peux pas faire pour l'instant sur ma chaîne puisque mon PC n'est pas très puissant. Tunstone Town est un bastion pour les mercenaires. Tard le soir, quand les hommes de Hoyt se sentent seuls, on peut entendre du dubstep sur leur chaîne Hi-Fi parce que le dubstep, c'est une musique de vilain. Ah bon? Donc je suis un vilain. Ok, allez, on va lâcher le camion. Pour la peine qu'il y ait un petit peu de pirate, on sait jamais. Hein. Ah, en tout cas, ça fait du bien de enfin changer de côté de l'île. Par contre, on rentre par où, les gars? Une petite question simple, hein, comme ça. À mon avis, on devait rentrer par devant. Mais bon, vu que je cherche toujours la compliquité, j'allais dire. Vu que je cherche toujours le compliqué, ça donne ça. Alors, bah oui, il faut rentrer par là, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est un avant-poste, hein, par contre. Hein, je veux pas être méchant. Non, même pas? Ah non, on a le droit. Bon. Je ne suis pas du tout en zone ennemie. Tant mieux, c'est bon à savoir. Le Crazy Cock. Ah, c'est joli en tout cas, ça fait vraiment vacances ici. Trouvez ça, Mobar Crazy Cock. C'est celui-là? Ah oui, le Crazy Cock. Le coq fou. Allez, on rentre par là, je suppose. Ouais. Let's go. Le Crazy Cock. Bonjour, monsieur. Salut. Salut. Pierre? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Oh, tiens, on tombe sur une vue sympathique. Trouver Sam au bar, donc ça c'est fait. Et voilà. On va se faire inviter. Où est-ce que tu vas? Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça ira? C'est bon. Allez, entre. Mais j'ai pas d'argent à mettre dans le poker, moi, bon Dieu. Allez, on avance. J'ai pas trop envie de jouer au poker, mais bon, c'est pas grave. Willkommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. Comment on joue? Je ne sais pas jouer au poker, hein, les gars, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je ne sais pas du tout jouer au poker. Attends, j'ai misé 4 jetons? Mais je suis un fou, moi. Toto. Attendez, comment on joue ça? Carl, Steve, Sam, Jason Brody, 96. Suivi. J'ai quoi dans ma main? 10 et 8. Je suis. Suivi. Je ne sais pas du tout jouer au poker, hein, donc je suis un peu dans le caca. Je check.
parole. Ah, on va s'amuser un peu. Pas fini de vous en mettre. Je suis. Je vais suivre. Je suis. Sur ce coup-là, je me couche. Je check. Super. Je couche. Si, je connais rien du tout. C'est quand qu'on peut quitter? Je ne sais pas jouer au poker. Je suis désolé, je ne sais pas du tout jouer au poker. C'est vraiment pas mon truc. Ah d'accord, il nous explique complètement le but du truc. Ah, c'est super intéressant. D'accord, je savais pas, voyez-vous. Ah merde. Je savais pas. Main terminée, Steve, couleur. D'accord. D'accord. C'est bon ça. Heureusement que j'ai pas trop musé parce que sinon. Bon, voilà quoi. Bon, puis-je quitter? Puis-je quitter? J'aimerais bien. Mais je peux pas quitter apparemment, je suis obligé de finir la partie. Mais je ne sais pas jouer, donc ça va être compliqué, non? Oh. Bon, cette partie m'emmerde. Terminée pour ce soir. Quoi, déjà? Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors? Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. Moi aussi, j'arrête. On ne rembourse pas. D'accord. Bon, c'est pas des gens super aimables. C'est un truc de malade, quoi. Bon, donc ça c'est fait. Suivez Sam dans la ruelle. Allez, on va suivre. J'en étais sûr, je m'en doutais de ça. Pour qui est-ce que tu travailles? Willis m'envoie. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien, enfin, je crois. Lars, Lars. D'accord. Bon, tant mieux, au moins, oui, tout va bien. Et ouais, il est où? Il est où? Et il est parti où? Puzzle, c'est quoi ce délire? Trouver Sam et parler lui de Hoyt. J'aimerais bien le trouver, oui, ce serait pas mal. Ce serait même très très bon de le trouver. Alors, est-ce qu'il est dans ce village ou est-ce qu'il est parti ailleurs, ce petit gars? Oh, il est pas loin, d'accord. Allez, on va le chercher là-bas. Plus 3000 XP. Oh. Let's go. Et il doit être dans la maison, alors. Ah, on va grimper en haut. Parce que je pense qu'il est en haut. Hein. 8 nouvelles armes disponibles à l'achat. 8 nouvelles cartes sont disponibles. Wow, tout ce que j'ai débloqué. Trop bon. Alors, je verrai toutes les armes de mon côté. Hein. Et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai reçu. Je pense que ça peut être super intéressant. Je vous montrerai un petit peu tout mon nouvel arsenal. Les criminels, ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis un dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission? Je dois tuer Hoyt. Scheiße! Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein? C'est toi qui as tué Vaas. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt! Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, hein? Les autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. À quoi tu penses? Odoria. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer,
c'est l'habit qui fera le moine. Comment ça? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels, et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Intéressant. Bah d'accord, si tu veux, écoute, hein. Moi je suis partant. Infiltré, approchez-vous prudemment du cénote. Allô? Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt? Ouais. Tu te rappes? Attends. C'est où exactement? Ouh, d'accord, on va carrément passer par un... Oh, ils sont tarés, quoi. De la voix. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet. Si tu survis... T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Merci Denise, c'est sympa. Et on se retrouve avec une magnifique musique dans ce Far Cry 3, c'est vraiment super beau. Et par contre là du coup on se retrouve sur une nouvelle partie de l'île, dans un territoire, beaucoup plus hostile que ce qu'on avait avant. Il faut le spécifier. Ah, je vois un pont là-bas, c'est bon, on va pouvoir traverser. Donc je ne connais pas du tout cette région, vu qu'on vient de la débloquer. Attendez, il est où le pont? Voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, et ils sont beaucoup plus forts aussi, j'ai l'impression, hein. Voilà. Ah oui, ils sont quand même beaucoup plus forts que les anciens ennemis qu'on avait sur l'autre partie de l'île. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est pas possible. D'accord, vous voulez jouer comme ça, les gars? Ok. Voilà. Lâchez-moi maintenant, hein. Allez, let's go. Ah, c'est bien de partout! D'accord. Ah, il y en a derrière aussi. Bonjour! Bon, alors il y a quand même de la populace ici, hein. Donc on va vraiment essayer d'y aller jusqu'au bout. C'est pas évident parce qu'il y a des pirates tous les mètres carrés. C'est énervant, on va essayer de pas tomber du pont quand même, ce serait pas mal. Et on continue. On va devoir capturer le petit pylône radio qui est en haut là parce que sinon on risque d'être embêté par la suite. Ah, encore des pirates, attention, ils sont où? Ah zut, c'est des civils. Zut, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, c'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait des civils en fait, parce qu'ils sont tous en bleu. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. c'est pas grave, on va y arriver. D'accord, oh là, encore des pirates. Là par contre, c'est bien des rouges. Hein. Achoum, excusez-moi. Un petit peu enrhumé en ce moment. Ok. Ça c'est fait. Allez, on va capturer ce pylône radio. Comme ça, ce sera fait. C'est rare que je capture les pylônes en direct. Mais là, vu qu'on est dans la zone, on va devoir justement débloquer. Alors, on va devoir aller jusqu'à la mission. Je préfère avoir la zone de débloquer pour bien voir où je vais. Je ne sais pas vous si c'est pareil, mais moi je pense que c'est judicieux, et en plus ça nous permettra d'avoir de nouvelles armes. Donc dans l'épisode prochain, je vous présenterai justement des nouvelles armes, vu qu'apparemment j'en ai débloqué 8 nouvelles, et c'est vraiment super intéressant, si c'est bien vrai. Allez, on va en face. Hop. Ensuite. Non! Wow! Oh non! Oh, le fail! Voilà, c'était horrible. Je suis tombé complètement. C'était pas voulu, hein, pour être franc avec vous. C'était pas du tout voulu. Bon, allez, alors je ne sais pas si on aura le temps de capturer le pylône et en même temps de faire la mission. Je ne sais pas du tout. Allez,
Cette fois-ci, on grimpe prudemment. Prudemment, on va grimper. On va prendre l'autre parce qu'elle est plus petite, elle va moins me gêner. Voilà. On prend logiquement par là, grimper. Alors même au pied, on y va un petit peu plus doucement et on tombe pas. Hein. Je pense que c'est bien. Voilà. Ah oui, d'accord. Je vois à peu près le truc là. On grimpe. Faut aller en face ici. Ah, c'est chaud patate quand même. Voilà, grimper. Putain, pour monter, c'est pas évident. Il est complètement cassé ce pylône radio. Allez, et là on va. D'accord, de ce côté. Bon. Ouais. Ouais. Non, non. Mais comme c'est balèze pour monter là. Ah, faut être super bon, hein. La vache. Escalade du pylône radio, impossible. D'accord. Donc là, logiquement, on va en face. Là, jusque-là, pas de soucis. C'était chaud patate, même là. Là, on peut grimper. Bah oui, on peut grimper. Qu'est-ce que je m'emmerde, moi. Voilà. Non, 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 non. Oh là là, mais panique, j'ai général, quoi. C'est horrible. Comme c'est dur à monter, quand même. Tous les trous qu'il y a. Zut, à chaque fois que je me fais avoir. Voilà. Moi, je sais que je suis pas très doué pour l'escalade. On est quand même directement là, non? On peut pas, zut, c'est vrai. Faut aller en face, là-bas. Je me demande si je redescends pas à chaque fois, en fait. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je redescends à chaque fois. Donc là, on monte. Forcément. Mais là, je vais tomber. Ah, oulala. Voilà. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Ah bah quand même, j'ai trouvé. Oui et non. Non, mais putain. Mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est énervant, hein. Oh là là, impossible de monter, quoi. Ouais, mais là, je descends, en fait. Y a pas moyen de monter plus rapidement, sérieux? Ah, voilà. Oui, là, forcément, on va en face. Y a que ça à faire. Et faut monter là. Vous êtes d'accord avec moi, non? Et sauf qu'il n'y a pas de socle. Je comprends pas. Comme c'est mal fait, sérieux. Ah, voilà, fallait le prendre de côté. Eh bah dis donc. Ah, il y a un petit trésor ici. Je vais pas le chercher. Ah, si, de toute façon, il va falloir aller. C'est par où qu'on monte? Je parie que c'est par là-bas. D'accord. Ouais, et on passe par où? Il y a plus de trous que de matière. Ah, ouvre le conteneur. Ce sera déjà ça. Non, 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 tombe pas, putain. Comme c'est chaud patate. Non, mais j'ai pété un câble. J'arrive pas à monter. Oh là là. Mais je pense que quand je serai arrivé en haut, je dirai, amen mes frères, alléluia. Allez, grimpe. Je sais pas, normalement on peut monter. Voilà. Non, 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 doucement, 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 Galax. Voilà, là, normalement, on peut grimper. Oui. Voilà, pour l'instant, on est arrivé jusque là. C'est le mieux qu'on ait réussi. Donc, on va aller en face, là-bas. Non! Oh, bordel! Mais c'est la chiotte! C'est la vraie chiotte, en fait. Je sais pas comment vous voulez monter, vous voulez pylône, mais... Attendez, mais on peut passer par où, ça, sérieusement, on passe... Bah, pire, on passe sur la petite... Ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord, j'ai compris. Autant pour moi. C'était si simple, ouais. D'accord. Ouais, c'était si simple, mais c'est par où qu'on monte? Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Ah, quand même. On y arrive, au bout d'un moment. L'échelle de la fin, ça fait du bien. Je me demande ce qu'on va déverrouiller avec ce pylône radio quand même. Allez. Un petit coffre ici, un petit conteneur. Plaquité de mercenaires, 34$, ok, interagir. Attention, le premier pylône de la deuxième partie de l'île. Let's go.
C'est beau. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné au juste? 500 XP. Un point de compétence. Mais encore. 12 sur 18 au niveau des pylônes radio. Le D50, arme gratuite. Le Vector 45 ACP. Une nouvelle quête de ravitaillement. Et puis c'est tout. Bon, je pense que le Vector, il va pas nous servir à grand chose vu que j'ai la déchiqueteuse, hein, qui est à la base un Vector. Zut, qu'est-ce que j'ai fait moi? Sprint. Ah, j'ai jamais essayé. Oh putain, ouais, c'est vrai qu'on va vite avec. Je voulais essayer, tiens. Allez, on va utiliser la tyrolienne. Hop, hop, hop. Il me reste 18 secondes de sprint et on va voir comment ça fait. Vous avez l'impression d'aller le plus vite, vous? Oh, oh, oh. Ah merde, j'ai plus de munitions. Salut, il est pas mort. D'accord, d'accord. Attendez, on va se soigner déjà, hein. On commence par là. Voilà, headshot. Et j'ai plus de munitions d'ailleurs. Voilà. Et ben vous savez quoi, on va se laisser là pour cet épisode numéro 12, 11, je ne sais plus. Voilà, c'est magnifique. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et en tout cas, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Far Cry 3, Let's Play, présenté par Galaxy.